À la suite du discours à la nation du chef de l'État, les Gabonais ont réagi positivement après le passage du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Regardons tout cela avec Paulin Siaki et Chris Rodolphe Limbonda. C'était une bonne année, l'année était un peu compliquée, mais bon, elle était bien, elle était bien. C'est déjà une bonne chose qu'on sache que notre président de la République est toujours là avec nous. C'est vraiment, ça fait plaisir. Peut-être pas certain, mais ça fait plaisir. Bien sûr, le discours du chef de l'État était une assurance, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, ça spéculait, mais après qu'il y ait eu le discours, ça a un peu rassuré les Gabonais. Bien, déjà, moi, ça m'a réjoui de voir le président de la République à la télévision prononçant le discours traditionnel de Nouvel An pour ses compatriotes que nous sommes. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le président est en train de se remettre. Nous tous, nous avons constaté qu'il ne s'est pas encore remis totalement. Il sort d'une longue maladie et que Dieu est avec lui. Pour ma part, les fêtes ont été abordables. J'ai passé tout mon réveillon dans une église. Parce que tout ce qu'il faut premièrement, c'est remercier Dieu pour le souffle de vie. Il faut le remercier pour le souffle de vie, la santé. Et le reste suivra après. En tant que citoyenne gabonaise, ça me rassure, pour ma part bien sûr. Ça me rassure qu'il a pu nous rassurer et que nous savons qu'il va très bien. C'est le plus important. Bon, il faut se réjouir naturellement que le chef de l'État ait donné la preuve de ce qu'il est bel et bien vivant, hein, et qu'il assume ses responsabilités de président de la République, chef de l'État, malgré son état de santé. Je suis heureux parce que j'ai noté dans l'adresse du chef de l'État son amour, son amitié, son affection pour son peuple.